reposer, quand on revient vendredi pour reprendre le boulot. On reprend le boulot pour gagner 5 avalines. Une page est tournée, parler d'avant. Parler d'avant toujours. C'est pour ça, même quand on perd, il faut jouer le match jusqu'au bout. Il ne faut jamais abandonner. Aujourd'hui, ça n'a pas tourné comme on voulait. On a commis des bêtises individuelles, l'équipe. Mais il faut qu'on soit encore ensemble. Il faut qu'on soit ensemble. Et qu'on y aille. Il faut qu'on avance. Pardon ? Très rapidement, il faut être déçu, hein, c'est normal. Il faut être déçu. On l'a dit hier, on a répété. Quand on perd, c'est la déception. On a mis tout ça. C'est la déception, c'est la honte, c'est les insultes, c'est pas d'argent, moins de succès, moins de visibilité. C'est vous qui avez dit tout ça. Oui. Maintenant, il faut assumer tout ça. Donc, on va l'assumer. On va l'assumer pour repartir. Pour repartir et gagner. Gagner pour nous, mais aussi pour ce qu'ils nous ont fait. Ce que le public nous a fait, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Hein? On le critique quand il nous lance des cailloux, mais aujourd'hui, il nous a donné du moral. Et qu'est-ce qu'il a chanté aujourd'hui? Il faut garder les paroles du public aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il nous a chanté? Quand on les matait, quand on les latait. Nelson, Rocky, Narolé Mbaté, Narolé Laté. On lève la tête, on va de l'avant. Narolé Mbaté, Narolé Laté. On se remet à travailler. C'est le message du public. Et le message, il est plus qu'important. Narolé Laté, Narolé Mbaté. Donc on doit être courageux. On doit être courageux. On ne doit pas se cacher. On doit être courageux. Donc on va sortir, on va assumer. On a perdu. Il ne faut pas chercher des échappatoires, on a perdu. Et là maintenant, il faut qu'on remonte. Saint-Rabalende, Saint-Georges, ce sont des matchs. Et chaque match a sa vérité. On a été peut-être un peu trop gourmand à domicile, en voulant aller les chercher. On a laissé des espaces. Ben on dira à Saint-Georges, on jouera peut-être plus bas pour ne pas laisser des espaces, pour qu'on puisse nous aussi contrer. Parce qu'à chaque fois,